Comment prier dans les difficultés? Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Comment pouvons-nous prier dans les difficultés? Dans le psaume 69, nous voyons le psalmiste qui s'adresse à Dieu en lui disant « Moi, courbé, blessé, que ton salut Dieu me redresse. » Et ensuite, il dit à Dieu au verset 31. Je louerai le nom de Dieu par un cantique, je le magnifierai par l'action de grâce. Comment donc prier dans les difficultés? Premièrement, présente ta difficulté au Seigneur. Deuxièmement, loue le Seigneur par un cantique, en chantant un chant de louange au Seigneur. C'est plus facile de louer le Seigneur en chantant un chant de louange. Tu peux mettre un chant de louange sur la radio, sur la télévision, sur YouTube. Écoute un chant de louange et chante de tout ton cœur au Seigneur pour élever ton cœur vers lui. Et ensuite, troisièmement, je le magnifierai par l'action de grâce. Magnifie Dieu par l'action de grâce. Lorsque tu remercies le Seigneur, tu es en train de le magnifier. Tu es en train de proclamer sa grandeur. Lui est bon, il intervient en ta faveur. Remercie-le à chaque instant. Remercie-le pour les petits détails de ta vie et tu verras que lui est là. Donc, aujourd'hui, le Seigneur t'enseigne une façon toute simple de prier dans les difficultés. Premièrement, présente au Seigneur ta situation de difficulté. Deuxièmement, loue-le par un chant. Troisièmement, remercie-le dans ta situation de difficulté. Et tu peux être sûr que lui écoute ta prière et intervient en ta faveur. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez aimé. Je vous invite à le transmettre à vos amis et aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Devenez ainsi un instrument de bénédiction pour les autres. Je vous invite aussi à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous inscrire à notre chaîne YouTube. C'est grâce à nos généreux donateurs que nous pouvons continuer notre ministère. Si vous voulez nous aider à promouvoir ces messages, vous pouvez regarder dans la description comment faire un don. Et de cette façon, nous allons pouvoir rejoindre toujours plus des personnes qui ont besoin d'entendre ces messages. Merci.